Hey YouTube, WhatsApp, bienvenue dans les tutos du coiffeur Bantou. Et la famille, aujourd'hui on va vous montrer comment faire un dégradé haut rapidement et facile. Et on va d'abord commencer par bien peigner les cheveux pour avoir le vrai niveau des cheveux. Et ensuite, prendre notre sabot 3 mm, l'évier fermé, on va mettre au même niveau les cheveux sur toute la tête. Et en peignant bien sûr pour voir la direction des cheveux ou bien brosser chaque fois qu'on coupe. Comme j'ai l'habitude de vous dire, le secret de la coiffure aussi c'est peigner et brosser. Donc à chaque fois que vous coupez, il faut peigner ou bien il faut brosser. Donc on va d'abord mettre les cheveux au même niveau sur toute la tête avant de venir commencer notre dégradé. Toujours peigner en même temps que vous coupez, le même nombre de fois que vous coupez, il faut peigner ou bien il faut brosser. Ça vous permet de voir la direction des cheveux, la taille, là où la tondeuse n'est pas encore passée. Donc il faut peigner de temps en temps et brosser de temps en temps. Maintenant, on va commencer par tracer notre première ligne de base. Avec notre tondeuse sans sabot, l'évier fermé, on trace notre première ligne de base. Par la suite, on va ouvrir le levier, comment tracer une seconde ligne avec nos cotons des sans sabot levier ouvert. On va tracer une seconde ligne. Surtout maîtriser le geste de la main pour ne pas trop monter et créer plusieurs lignes. Brosser, peigner de temps en temps ou bien brosser. Maintenant, on va reprendre notre sabot 3 mm levier totalement ouvert. On va chercher à effacer cette deuxième ligne que nous venons de tracer en utilisant la technique des coins de la tondeuse pour effacer cette ligne. On maîtrise surtout le geste de la main, ne pas monter très haut et créer une autre ligne. Parce que nous sommes en train de chercher à effacer la deuxième ligne. Comme vous pouvez le constater, on peigne en même temps qu'on coupe pour voir au niveau des cheveux ou bien là où nous ne sommes pas encore passés. Et on va repasser avec nos tondeuses. L'évier fermé avec le sabot 3 mm dans le même sens que les cheveux. Et on va fermer par la suite notre levier pour continuer à effacer totalement cette deuxième ligne que nous avons tracée. Par la suite, maintenant on continue à effacer
la première ligne, on pouvait le constater avec notre tondeuse, l'évier ouvert en utilisant les coins de la tondeuse. On efface pour essayer de sortir bien notre dégradé, comme vous pouvez déjà le constater. On repasse avec les coins de la tondeuse, l'évier ouvert, ne pas créer d'autres lignes. Et on va fermer le levier légèrement à moitié, continuer à bien effacer notre ligne. Là où nous voyons que la ligne est encore visible, on repasse avec notre tondeuse légèrement fermée à moitié. Vous voyez comment le dégradé est déjà sorti. N'oubliez pas d'utiliser nos astuces pour bien réussir vos coiffures. Même si vous n'avez pas tout le matériel nécessaire, rien qu'avec vos cotondeuses et vos sabots naturels conventionnels, vous pouvez bien réussir toutes vos coupes en suivant nos conseils, nos astuces. Maintenant, on va passer à l'étape de finition. Donc, on va sortir nos contours. Pour les contours, regardez d'abord toujours le visage du client pour voir la forme de son visage et bien sortir l'arc de cercle et les angles pour réussir vos finitions et réussir totalement bien votre coupe. Soyez pas pressé, allez-y pas à pas pour bien donner un bon rendu à la fin. Et la famille, comme vous pouvez le constater, nous sommes déjà à la fin de notre travail. Si vous avez apprécié notre petite vidéo du jour, notre leçon du jour, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter.